Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Alors vous voyez, je suis en train de vous filmer une petite chatte. Donc je vais vous expliquer pourquoi je suis en retard dans mes envois en ce moment. Je voulais m'excuser auprès de Fatia, Virginie et Agnès. Bon, Réjeanne, j'ai pas encore reçu tout, donc c'est normal que je sois en retard. Mais voilà, je vais vous montrer cette petite chatte. Alors cette petite chatte, elle a moins d'un an et c'est un chat qui a été abandonné comme de nombreux chats vers chez moi. Et je la nourrissais et elle venait quelquefois, elle rentrait dans la maison. Et mercredi, ce qui s'est passé, c'est que les enfants l'ont trouvée devant la fenêtre. Elle ne pouvait plus être en appui sur ses pattes arrière. Elle rampait tout simplement. Donc voilà, on a décidé de l'emmener chez le vétérinaire. Et comme vous pouvez le constater, elle est dans un parc à bébés bien barricadé, avec des alaises. Parce que voilà, il s'avère que ben, ce chat a été maltraité. Donc elle a une grosse plaie dans le dos qui correspond à un coup porté très violemment. Et donc c'est pour ça que ben, cette petite chatte ne pouvait plus marcher correctement. Alors voilà, je l'ai emmenée chez le vétérinaire. À la radio, ben, elle a du plomb dans les pattes aussi. Donc quelqu'un lui en veut vraiment. Et vous voyez, elle est pas. Elle est vraiment pas méchante. Elle est toute douce en plus. Celui qui lui a fait ça, ben, il n'a pas dû se fatiguer parce que c'est une chatte qui demande beaucoup de câlins. Et donc voilà, je suis en retard à cause de ça parce que ben, il faut s'en occuper. Alors là, elle a fait quelques premiers pas. C'est pas encore ça, mais elle va pouvoir remarcher. Parce que là, le coup a été porté au dos, mais là, il n'y a pas de fracture au niveau de la colonne vertébrale. Donc voilà. Voilà le pourquoi de je suis en retard dans mes envois. Je suis vraiment désolée. Bon. Là, je vais finir aujourd'hui ce que j'ai à faire. Comme ça, je fais vraiment tout poste. Il faut vraiment que tout parte parce que là, je suis trop en retard et c'est pas dans mes habitudes d'être en retard. Donc voilà, je voulais un petit peu vous donner des nouvelles. Hop. Alors, cette coquine, elle arrive à s'échapper. Au départ, j'avais mis les calendriers à l'extérieur du parc et elle les pousse. Et puis là, elle arrive à les faire tomber pour après passer entre les barreaux. Donc voilà, mais cette petite chatte, du coup, on l'a adoptée. Ma Mimi est un peu jalouse, mais bon, on va pas la remettre dehors. Alors les vétos ont été sympas, ils m'ont fait un prix vu que c'était pas mon chat. Mais voilà, je comprends pas comment on peut faire ça à un animal aussi gentil, quoi. À la limite, si on n'aime pas les animaux, on peut le chasser, mais d'une autre façon que de le taper, quoi. Donc voilà. Je m'excuse encore une fois et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!